Si je te dis, Alain, pays du soleil levant, c'est le mikan. Le mikan, qui veut dire en japonais agrume. Ben voilà. Et le Donc, tu vas nous en mikan, parler. c'est une mandarine un peu exceptionnelle, qui est un fruit qui a une peau qui se détache vraiment facilement, qu'on n'épluche généralement, qu'on mange tel quel. Donc c'est une mandarine. Hein. On pourrait utiliser Alors on peut en les passant à la zester, microplane, voilà, on etc. peut Sans les problème. zester. Ouais. La peau est relativement épaisse, on peut les confire, d'accord, les mettre aussi en infusion. Et donc la chair est vraiment très juteuse et très fine, généralement sans pépins, voilà. Magnifique. C'est vraiment subtil. Et donc je rappelle, c'est des notes de mandarine, mais toujours dans la subtilité et légèrement sucrée. Donc c'est Donc, vraiment un fruit les d'exception. jus, les zestes en tant que tels, mais également les suprêmes, bien sûr. Donc, Voilà, toutes sortes d'utilisations pour en ce type de. salé, en sucré, puisque cette note de mandarine peut révéler aussi certains produits, certains poissons, et ainsi de suite. Mais aussi, il existe également des bières à base de mikan qui sont fermentées avec ce fruit-là. Sayona, Rare. sayonara.